Shalom, shalom peuple de Dieu, enfant de Dieu. Oh, excusez-moi, je m'appelle Tiscombi. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu la puissance de Dieu. Je dirais que deux fois, ceux qui m'ont dit sur Facebook, qui ont vu une photo d'une main. Bon, c'est cette main. Son histoire, il est rentré ça et là, vous voyez la main. Mais ça, c'est son doigt. Mais au-delà de ça, il y avait aussi les pieds, il y avait les trucs bizarres autour. Et je lui ai dit, ça c'est petit. Jésus va te guérir. Amen. 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 Bon, j'ai fini de prier pour lui, j'ai pas trop de temps. Il fallait retourner en Côte d'Ivoire. Donc, on se donne rendez-vous en Côte d'Ivoire. Arrivé à Côte d'Ivoire, j'ai fait une action prophétique du débat. Qu'on se revue après quelques mois, ça c'est à Lyon,
J'étais de passage, je suis parti en Espagne, à Madrid, j'ai fait 2 semaines. Je l'ai revu à Lyon. D'ailleurs, c'est lui-même qui était mon chauffeur à Lyon et tout ça. Amen. Il me montre ses doigts, il dit, tu as vu, c'est parti. Je suis... La femme est une épouse française, une blanche. Là, elle a commencé à voir que c'est sérieux. Parce que les blancs, ils ont trop de preuves. Elle a commencé parce qu'il ne pouvait pas aller à la mer, il ne pouvait pas mettre les culottes, il ne pouvait pas aller nager. Non, 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 parce que tout était bizarre autour de lui. Et quand je le revoyais la seconde fois, j'ai vu la main de Dieu intervenir. Il ne pouvait pas travailler. Aujourd'hui, il travaille. Amen. Vous voyez que ce frère a été client pour venir faire culte à Paris. Il sait ce que Jésus-Christ a fait pour lui. Amen. Seigneur, regardez son gloire, c'est quoi aujourd'hui. On ne sent même plus, on n'a plus rien, c'est fini. On avait même peur même de le serrer les mains. C'est-à-dire quand il regarde pratiquement si je peux le serrer les mains. Amen. Amen. Vous voyez, et c'était l'œuvre de la sorcellerie. Les gens l'avaient maté sérieusement, bloqué sa vie. Il vit en Europe, mais il est bloqué, il ne peut pas travailler. Ses mains sont gâtées, ses pieds sont gâtés, ses pieds sont gâtés. Vous avez peur d'aller en Afrique. Et ils sont là maintenant, les gars. Hein? En plus, c'est un ancien footballeur, un bon footballeur. Ils sont allés, ils vont manger ses pieds, sauce, gna gna. Ils ont mangé les pieds. Amen, la sorcellerie. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, il travaille, que le nom du Seigneur soit béni. Ce qu'il fait dans la vie des bien-aimés, gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ma fille aussi de l'autre côté, Fatou. La camarade Fatou, là, quand m'a vu aujourd'hui, elle ne veut plus me laisser. Et maintenant qu'elle s'est rendue compte que c'est le prophète qui rassemble, elle ne peut plus me laisser tout le restaurant. Je sais qu'il n'y a même plus de retard. Personne ne veut me laisser partir. C'est une dame dite stérile, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas procréer. On s'est seulement vu il y a quelques mois. Voici le résultat, et voici la grossesse qu'elle a. Amen. Je vais le matin ici. Alléluia. On va lui donner un nom. Amen. Alléluia. Le Dieu que nous prions est un Dieu de miracles. Ce n'est pas une question de grâce. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. C'est tout. Prouvez qu'on a la foi en Dieu, c'est tout. Tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. À mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris.